Particulier que tu nous accordes d'accueillir en ton nom vers le voyage éternel ta servante. Nous te louons de ce que tu as fait réussir son voyage. Nous te louons de ce qu'elle a semé dans cette vie. Et nous voulons te bénir maintenant pour cette opportunité que tu lui donnes de reposer dans ta présence. Qu'elle soit maintenant accueillie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde, comme fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son... toi toujours, plus près de toi, donne-moi ton secours, soutiens ma foi,
que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi. Te remettons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sur la souffrance, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous venons de te remettre ta créature que tu as aimée plus que nous. Tu lui as donné d'exister et de s'aimer dans la vie de cette partie de ce monde toutes sortes de vie et surtout d'amour. Nous te la remettons, Seigneur, afin que dans ton amour, tu prennes soin d'elle, que tu l'accueilles au lieu réservé aux personnes qui ont œuvré. Nous te la confions avec l'assurance que nous nous retrouverons, Seigneur. Si la poussière se préoccupe de ses restes charnels, tu recueilles déjà son âme dans ta présence. Béni sois-tu pour tes promesses humaines. Béni sois-tu pour ce que tu lui donnes d'être une icône dans les têtes de ses enfants. Accorde maintenant à chacun de recevoir des portions de cet amour grâce et grâce pour pouvoir vivre dans les cœurs de l'Église. Pour qu'aujourd'hui comme demain, rien de caché ne puisse exister après elle. Bonne Madeleine, va maintenant dans la grâce de ton Seigneur. Pense sur ce chemin qui te réserve. Toi qui es le commandant de Jésus-Christ, va avec la grâce et la paix. Ne te retourne pas, sinon pour laisser simplement de la bénédiction en faveur de tes enfants. Dis-moi, la paix de Jésus de l'éternel, notre Seigneur, fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Maman Nana Madeleine, dans l'attente de la résurrection, repose en paix, et que la paix à laquelle nous sommes appelés règne dans nos cœurs, dans nos vies. Que cette paix nous accompagne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Thank you.
cris.